Konnichiwa, gardien et gardien, c'est Massa, j'espère que vous allez bien. On va se retrouver sur une petite vidéo tutoriel spécifique sur le kiosque des quêtes exotiques ou des quêtes des anciennes armes pinnacle. Je fais cette vidéo spécifiquement pour pouvoir illustrer en fait le cryptage exotique qui se trouve au niveau du Xur, vous savez, tous les vendredis, que vous pouvez acheter et utiliser dans ce cadre de figure. Allez, on est parti. Donc ça va être à la tour, hein, bien sûr. Et le temps d'arriver sur place, hein, on voit ça ensemble. Donc maintenant on est arrivé au spawn principal de la tour et on va aller donc au kiosque des quêtes exotiques. La quête exotique appelée à tort, car vous allez voir qu'il y a en fait deux fonctionnalités. Vous avez bien sûr des armes exotiques, mais vous allez avoir des armes légendaires également. Donc comme je le disais, en fait, il y a deux parties. Donc vous allez avoir la partie exotique qui se trouve en haut et vous allez avoir la partie légendaire qui se trouve en bas. Donc je vous parle juste de la partie légendaire pour information, car vous n'aurez pas besoin de la ressource cryptage exotique pour pouvoir récupérer ces armes. Dans la partie légendaire, ça concerne les anciennes armes pinnacle des saisons passées. Les armes pinnacle, c'était des armes de prestige. Par contre, comme vous pouvez le remarquer, en fait, vous allez pouvoir récupérer que deux armes. Ça va être le mensonge de Felwinter, qui au passage est un très bon pompe, et le corps du cerf qui était un arc. En fait, quand je vous dis que vous allez pouvoir récupérer, vous pouvez récupérer bien sûr les autres armes, enfin les autres anciennes armes prestige. Par contre, vous pouvez remarquer qu'elles sont qu'à 1100 alors que les autres vont être à mon niveau de lumière. Ces autres armes en fait de prestige, comme vous pouvez voir, vous avez un petit triangle ou un petit coin qui est indiqué avec le symbole de la saison, petit coin blanc. Et en fait, ça signifie que ces armes sont sunset, donc vous ne pourrez pas les monter en lumière plus haut que ce que vous voyez ici, donc à 1100. Donc bien sûr, vous allez pouvoir les utiliser dans les parties dites basiques comme les assauts ou même les parties de l'épreuve en quick play. Par contre, vous ne pourrez pas les utiliser dans les activités de haut niveau comme par exemple les nuits noires, la partie Osiris ou la partie bannière de fer pour la partie épreuve. Car vous ne pourrez pas les monter à votre niveau de lumière. Donc on va revenir à la partie qui nous intéresse, donc la partie exotique. La partie exotique, vous pouvez remarquer, en fait, elle est actuellement séparée en quatre morceaux, en fait. Et vous voyez un symbole sur chaque morceau. En fait, chaque partie, ou en fait, chaque rectangle correspond à un DLC principal, donc c'est-à-dire aux quatre dernières années qu'on a pu avoir. Donc on a bien sûr eu le tout début avec la guerre rouge, hein, donc c'était sur la partie Calus et la partie Gaul. Donc là vous allez pouvoir récupérer les anciennes armes exotiques qui étaient issues des quêtes. Et pour toutes les armes que je vous ai présentées jusqu'à celle-ci, comme vous pouvez remarquer, donc vous allez avoir besoin d'un cryptage exotique, de l'humain, des ressources de la planète concernée par l'arme et d'un éclat ascendant. Hein. Pour rappel, l'éclat ascendant, c'est quasiment la ressource la plus rare du jeu à l'heure actuelle. Donc en l'occurrence, là, il vous faudra deux éclats ascendants par arme. Et vous allez avoir la petite spécificité du pompe qui est présentée ici, en fait, qui est la légende d'Acrius, qui est un pompe qui était issu d'un raid. Et comme vous pouvez le voir, il va vous falloir en plus de votre cryptage exotique des lumens des éclats ascendants, des butins de conquête. Les butins de conquête, c'est les ressources que vous allez pouvoir récupérer lorsque vous faites des raids et que vous ouvrez des coffres. Donc voilà, mais de toute façon, à chaque fois pour ces armes-là, il vous faudra un cryptage exotique. Donc un cryptage exotique, vous avez plusieurs possibilités d'en avoir. Vous pouvez en avoir bien sûr dans la quête avec Xur, hein, quête qu'on va présenter tout de suite pour rappel. Vous pouvez également donc récupérer une ressource de cryptage exotique en allant voir Xur. Xur, pour rappel, c'est un PNJ qui est là uniquement le week-end, en fait du vendredi au mardi, et qui change de planète. Il arrive sur une planète aléatoire chaque semaine. Donc pour revenir au contrat, en fait, comme vous voyez, il va falloir que vous fassiez au moins 21 parties soit d'assaut, d'épreuve ou soit de gambit. Vous pouvez mixer les trois, ça fonctionnera, il n'y a pas de problème. Une fois que vous aurez fait vos 21 parties, vous pourrez récupérer votre cryptage exotique et par conséquent retourner au kiosque exotique. Et vous pouvez également en avoir dans votre passe saisonnier. Hein. Si vous regardez le passe saisonnier, vous allez pouvoir en récupérer un.
voyez, au niveau 55, là je peux pas le récupérer parce que j'en ai déjà un dans mon inventaire. Mais donc vous avez ces deux possibilités là, soit avec la quête de Xur comme on a vu précédemment, ou soit en allant dans votre pass saisonnier. Donc là on a vu la particularité de la guerre rouge, on va voir la partie Renégat qui était également le DLC, l'autre DLC principal qui en a suivi et qui nous a amené la côte enchevêtrée et la cité des rêves. Donc toutes ces armes-ci, on va dire, jusque celles-là, vous allez pouvoir les récupérer sans avoir besoin de ressources de coffres de raid. À partir de là, donc pour l'anarchie, le Taraba et le passereau toujours à l'heure, vous aurez besoin de butins de conquête, c'est-à-dire des jetons que vous récupérez dans les coffres de raid. Au passage, je vous présente l'anarchie, je dirais que s'il y a une arme exotique que vous devez acheter en priorité dans ces quêtes exotiques que vous n'auriez pas fait, c'est celle-ci. C'est vraiment un lance-grenade qui se situe en arme lourde, mais qui est le vrai couteau suisse des armes lourdes. En fait, vous pouvez quasiment tout faire avec. Et jusqu'ici, il est d'une efficacité remarquable qui n'a jamais failli. Donc je dirais principalement acheter celle-là en priorité. Donc pour rappel, hein, l'anarchie, en fait, ça s'obtenait dans le raid Fléau du passé, hein, qui n'existe plus. Et dans ce même raid, vous pouviez avoir également le toujours à l'heure, hein, qui était le passereau du raid. Petite information complémentaire aussi, à l'heure actuelle, donc le passereau est indiqué en vitesse 160, mais en réalité, Bungie pour le moment l'a mis à 180, même si l'affichage n'a pas changé. Et enfin, vous pouviez avoir donc le pistolet mitrailleur, le Taraba, qui était un pistolet mitrailleur qui pouvait s'obtenir dans le raid de la couronne du malheur. Donc voilà pour la présentation des armes exotiques et du passereau que vous pouviez récupérer dans la partie Renégat. On va passer à la partie suivante. Alors sur la partie Baston des Ombres, il n'y a pas d'armes exotiques qui sont issues du raid. Donc toutes les armes qui sont présentées ici, vous allez pouvoir les récupérer sans avoir besoin de ressources de coffres de raid. Au demeurant, vous avez le Sarmon d'Iriana qui, même s'il est un peu moins utilisé à l'heure actuelle, est un très bon revolver exotique qui vous permet d'avoir une efficacité contre les champions bloqueurs, vous savez. Et ça vous permet de pouvoir l'utiliser sans avoir besoin de mode à mettre sur vos bras. Donc voilà pour la partie présentation des armes de Bastion des Ombres. Et on va passer à la dernière partie, qui va être la plus courte, puisqu'en fait vous n'avez qu'une seule arme, puisque au moment où je tourne cette vidéo, donc on est seulement à la première extension, donc vous n'avez que l'arme qui était disponible directement sur le DLC principal, qui est le Duality, donc qui est un pompe exotique énergétique et qui est un peu comme la gouvernante pour les personnes qui connaissent, qui est la gouvernante qui est un pompe exotique mais qui se trouve en cinétique. Et là, comme c'est pas une arme qui dépend du raid, puisque c'était une arme qui était disponible dans le pass saisonnier, vous allez pouvoir le récupérer sans avoir besoin de ressources de raid. D'ailleurs, au passage, je pense que la saison prochaine, dans ce même kiosque, on va pouvoir récupérer pour les personnes qui ne l'auraient pas récupéré ou qui n'auraient pas pu le faire, vous aurez certainement le divination de tissu qui est issu du pass saisonnier de cette saison. Voilà pour la petite parenthèse. Voilà, donc on a fait le tour du kiosque exotique qui, comme je vous l'ai indiqué au tout début, est indiqué kiosque exotique, mais à tort parce que vous pouvez également avoir les anciennes armes pinnacle légendaires. Mais c'est juste une parenthèse. Donc on arrive à la fin de cette présentation du kiosque exotique. J'espère que cette présentation vous sera utile. J'espère qu'elle vous aura été utile. Et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez! Sur ce, gardiennes et gardiens, je vous dis sayonara et prenez bien soin de votre spectre.